Et on commence avec le candidat numéro 12. Laura Thomas. Laura, c'est la même question pour tout le monde. Si tu es élue ce soir, quels seraient ton projet en tant que Miss Prestige Réunion 2018? Alors, je suis je souhaiterais soutenir plusieurs causes comme les enfants malades, j'aimerais leur redonner le sourire. Et puis, les femmes, vu qu'on est des jeunes femmes, et j'aimerais que les femmes à la Réunion soient mises en valeur, et je ferai de mon mieux pour représenter cela. Merci, Laura Thomas, 18 ans, et résidente de Saint-Paul. La candidate numéro 11, Cheryl Maillot. Ouais. Cheryl, la même question que Laura. Quel serait ton projet si tu es le demain Miss Prestige Réunion 2018? Ce soir. Si je suis élue ce soir, je mettrai en valeur, les femmes à travers cet écharpe. S'assumer tel que l'on est. Et si je suis devant vous ce soir, c'est que j'ai pu moi-même franchir ce cap. Merci beaucoup. Merci. Merci. Devant le chanteur. Eva Jean-Marie. Eva, quel serait ton projet si tu es élue ce soir au Prestige Réunion 2018? Alors, bonsoir à tous. Alors, si je suis élue ce soir Miss Prestige Réunion 2018, je souhaiterais soutenir une cause des enfants qui sont... Comment dire? Je souhaiterais défendre la cause des enfants malades. Parce que c'est quelque chose que je souhaite soutenir. Les enfants, c'est quelque chose que j'ai envie de faire dans ma vie. J'ai envie de travailler avec les enfants. Alors, si je suis élue Miss Prestige Réunion 2018, je souhaiterais soutenir les enfants malades. Merci, Eva. Eva, la candidate numéro 8, Elodie Boss. La candidate numéro 8, Elodie Boss. 23 ans. Elodie, la même question. Que ferais-tu? Quel est ton projet si tu es élue ce soir Miss Prestige Réunion 2018? Si ce soir je suis élue Miss Prestige Réunion 2018, je serai honorée de représenter mon île à travers ce titre prestigieux qui me permettra de défendre certaines causes qui me tiennent à cœur, telles que la violence faite aux femmes, mais aussi la lutte contre le cancer. De plus, lors de la finale nationale, je serai fière de représenter mon île, ma culture et bien sûr le vivre ensemble de notre île. Voter pour moi, ça sera voter pour une Miss humble, engagée et proche de son public. Bonne soirée à tous. Merci.
politicienne. Et on continue avec un candidat numéro 7. Tracy Souton, 18 ans et qui nous vient du port. Tracy, quel serait ton projet si tu es une sauteuse qui se prestigerait en 2018? Alors, tout d'abord, bonsoir à tous. Alors, si je suis élue et si vous me donnez cette chance d'être élue Miss Prestige 2018, je porterai mes valeurs, mes origines, mettre mon île en valeur et en haut, et surtout soutenir les vieilles personnes, ceux qui sont les personnes souvent oubliées, et les aider. Et voilà. Elle a 18 ans, 19 ans et vient de s'adonner. Cindy, qu'est-ce que ton projet? Alors, ce soir, si je suis élue Miss Prestige Réunion 2018, j'aimerais défendre quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire les... les ados qui sont... les ados qui sont touchés par la violence, car j'ai moi-même été. Car j'ai moi-même été touchée par cette action de violence. Donc je sais que c'est pas facile à en parler devant un public et tout, mais si je suis élue, merci. Je suis élue ce soir, j'aimerais montrer aux autres personnes, aux autres adultes comme moi, qu'on peut se remettre de tout, car moi-même je suis là aujourd'hui ce soir pour représenter la Réunion, sa grâce, sa simplicité. Donc je tiens beaucoup à vous remercier et j'aimerais représenter la Réunion au national, car le travail que Charlotte a fait et que Enola à la Réunion aussi a fait, c'est quelque chose d'extraordinaire, donc merci à tous et bonne soirée. Merci Cindy. Cindy Thomas, évidemment, qui nous vient de Saint-Denis. Alors, Hubert. Alors, toi, quel serait ton projet? Si je suis élue ce soir, je souhaiterais aider les ONG telles que UNICEF ou Maisons sans frontières, car leurs combats sont essentiels. Et je suis prête à représenter la Réunion, la tradition française et la tradition réunionnaise. Merci à vous. Merci à vous. Rachel Gondin. Rachel, ton projet à toi, si tu es élue demain, ce soir, Miss Prestige Réunion 2018. Ah oui, ce sera demain après, parce que à soir, ça manger, c'est demain. Bonsoir à tous. Alors déjà, le titre de Miss Prestige Réunion, ce n'est pas qu'un titre pour moi, mais c'est un rôle qui me tient vraiment à cœur. Si ce soir, je suis élue Miss Prestige Réunion 2018, j'aimerais défendre la cause des femmes battues. Pour cela, j'aimerais faire part d'une association, parce que j'ai moi-même connu des cas dans ma famille. Donc j'aimerais montrer aux femmes que nous aussi, on est des femmes fortes. Nous aussi, on a le droit de parole. Voilà, merci. 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 Ton projet en tant que Miss Prestige Réunion? Alors, si je suis élue Miss Prestige Réunion, avant tout, je porterai ce titre très haut et fier. Je tâcherai de représenter la Réunion comme il se doit. Aussi, j'aimerais m'investir pour aider l'environnement, pour préserver notre belle île et inciter les jeunes, car c'est nous qui créerons la Réunion de demain. Aussi, cela pourrait m'offrir des merveilleuses opportunités, car je veux travailler dans ce milieu-là.
Et aussi, je pourrais offrir le plus beau des cadeaux à mon père pour voir son enfant réussir. Ouais. Merci beaucoup. Et enfin, la candidate numéro 2, Gabrielle Morel, 18 ans, qui nous vient de Saint-Paul. Gabrielle, avant la question, j'aimerais que tu dises au nom du jury et au public ce que tu fais là. Alors bonsoir à tous. Je suis actuellement en terminale littéraire au lycée Roland-Garros, au Tampon. Putain, elle a échappé à la question, Christiane. Je me suis rattrapé. Et que ferais-tu si tu es élue ce soir, Miss Prestige Réunion 2018? Alors, si ce soir je suis élue Miss Prestige Réunion 2018, je ferai en sorte de porter haut et fort les couleurs de la Réunion à travers son patrimoine, sa culture, ses valeurs, qui effectivement sont véhiculées par son vivre ensemble, son partage. Et au national, je pense pouvoir réussir à le faire. Et en tout cas, si je suis, j'ai la chance en tout cas d'être votre ambassadrice ce soir. Et effectivement, j'essaierai également d'être la porte-parole des Réunionnais, que je puisse les guider, les conseiller, les aider tout simplement. Et également montrer que je peux être disponible, investie, notamment à travers la cause que je défends auprès de l'association Amnesty International avec qui je collabore aujourd'hui. Et effectivement, je terminerai par dire que porter une couronne de Miss n'est pas simplement, en tout cas être élu Miss n'est pas simplement porter une couronne, mais c'est avant tout son engagement auprès de son peuple, auprès des gens qui la soutiennent, auprès de ses amis, sa famille. Et je vous remercie pour ça ce soir et je vous souhaite également une bonne soirée.